même un homme qui n'a pas de maladie vit dans l'inquiétude d'un futur. Oui, comme tu as dit, d'une projection d'un futur, d'une future vie. Ouais. On travaille pas pour aujourd'hui, pour nourrir sa famille, non, mais pour prévoir pour demain. Et comme tu dis, s'arrêter pour voir tout cela, l'être humain, un individu normal ne le fait pas. C'est ça, oui, oui. Et, mais on comprend bien ça, parce qu'en en fait, on est formaté pour ne pas faire ça. On est tellement acculé avec nos problèmes qu'on n'a pas le temps. Et on ne prendra pas le temps non plus. Parce que le temps nous a pris, c'est tout. Et on court, et on arrive plus vite à la tombe, c'est tout. Donc c'est ça la réalisation. C'est de réaliser déjà, comme tu dis, qu'on est malade. Parce que tu ne peux pas te sortir de ta maladie si tu ne réalises pas que tu es malade. Eh oui. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade, il ne va pas au docteur. Il ne va pas essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il sent rien, il se croit être bien. Tu vois, c'est comme nous, on s'est fait des prisons, chacun d'entre nous. Notre passé, notre mémoire, c'est une prison. Et on est là-dedans et on dit, eh ben c'est bien, parce que dans cette prison-là, tu as mis un petit tableau sur les murs qui représente la liberté. Puis tu dis, mais c'est bien là, je n'ai pas besoin de sortir de ça, moi. La plupart d'entre nous, on aime bien la vie qu'on a. Tu sais, le riche avec sa piscine, ou même le pauvre avec son petit jardin, il est content. Il n'y a pas besoin de rien d'autre. Il te dit, mais moi, ça va. J'ai mon enfant, il m'aime bien, j'aime bien ma famille. Je fais des courses avec mon RSA. Et le riche dit, moi, je fais des courses à Lafayette. Tout le monde va bien. Quand il y a un problème, que tu réalises que tu es en prison. Mais pas autrement. Il faut que tu réalises que ce que tu es, ce que tu vis, n'est pas satisfaisant. Mais tu vois, notre société a fait en sorte pour que tu ne réfléchisses pas à tout ça, de te donner de l'amusement. Bon, amuse-toi. Parce que tu es dans... ta vie, c'est un gros problème, ça. T'inquiète pas, on a de l'amusement pour toi. Va voir tes copines. Allez danser un coup. Prendre l'air. Hein? Prendre l'air, changer d'air. Prends l'air. S'évader. Voilà, évade-toi un peu. Et en fait, tu te retrouves, le problème, il n'est jamais résolu. Je crois que c'est ça le problème. C'est qu'on vit dans un monde malade, mais on est tombé malade aussi. Et alors, maintenant, la question est-ce qu'on peut vivre dans ce monde malade sans tomber malade? Rester intègre, sain, ne jamais mentir. Pourquoi? Tu vois, toutes ces peurs, elles viennent d'où? Pourquoi on a peur? Et qui a peur? On a peur de quoi? On a peur de perdre notre petit réconfort, tout ce qu'on s'est construit. Et c'est pour ça, je vous disais, il faut absolument qu'on voie qu'est-ce qu'on s'est construit pour pouvoir en être libre. Et quand tu es libre de tout ça, là, eh bien, peu importe ce qui se passe autour de toi, tu n'as plus besoin de mentir, tu n'as plus besoin de réagir forcément. Tu es ce que tu es, acceptable ou pas, pour les autres, ça n'a aucune importance pour toi. Tu es ce que tu es. Et ça, c'est la chose certainement la plus difficile. Mais oui, parce que si j'ai un travail, et que ce travail est bien payé, mais que je souffre dans mon travail, je vais me mentir à moi-même pour le garder. Exact. Et même jusqu'à la maladie, jusqu'au burn-out, jusqu'au pire des sévices, mais je le garde. Parce qu'après, si je le perds, ma femme va partir peut-être. Oui. Mes enfants vont dire que je suis un loser. Mmh. Ma famille va dire que je suis un perdant, que j'ai pas pu gérer ma vie, alors que d'autres ont pu le faire. Quelqu'un d'autre prendra ma place. Mais je suis pas prêt à accepter la liberté. La légèreté de la liberté, parce que je suis trop attaché à la lourdeur de ce qui me pèse. Ouais. Mais pourquoi? Justement, tu vois, c'est ça de comprendre
quelle est la raison pour laquelle on s'attache à tout ça? Pourquoi il y a cette peur de lâcher tout ça? Et qu'est-ce que cette chose nous apporte? Des promesses. Oui, mais cette promesse, c'est une promesse. Oui. Voilà. Elle est toujours quelque part, mais pas maintenant. Voilà. Donc tu vois que quand on s'attache, tu vois, on s'attache à quelque chose pour nous réconforter. Parce qu'on a peur de ne pas exister au regard des autres. Et pourquoi on veut ça? Est-ce parce que il s'agit de ça, là maintenant, de pouvoir abandonner tout ce que tu dis là, tout ce que tu gardes, tout ce que tu tiens, tout ce qui me fait plaisir. Mmh. Il est question de ça. Oui. Mais est-ce que tu es prêt à faire ça? À échanger ce qui me promet monts et merveilles en échange de quelque chose où il n'y a aucune promesse? Ouais. C'est dur. Moi, je suis prêt. Parce qu'à un moment donné, on a fait le tour, quoi, tu vois. On a tenté et on a vu que derrière les promesses, il n'y avait rien. Je crois que c'est la condition de la liberté de se réaliser justement que de voir où est le danger. Parce que la plupart d'entre nous, on ne voit pas le danger. Le danger de ce qu'on nous propose. Vous savez, quand on a des promesses, et dans cette promesse, il y a l'envie, l'égoïsme de vouloir prendre ça. Cette chose-là, elle est imbattable, quoi. On est propulsé vers ça avec toute une fureur. On est acharné, tu vois. Cette chose-là qui se passe à ce moment-là, ça, c'est un danger. Mais il semble que nous, on ne voit pas le danger. Tu vois? On ne voit pas le danger. On voit quelque chose qu'on aimerait changer. On ne dit pas que c'est un danger. Je dis, je vais le changer. Et ça va mais aller pendant mieux, que tu essayes de le changer, ça te prend du temps, et pendant que tu changes, eh ben la chose, elle continue à faire son dégât, lui. Donc, à mon avis, changer demain, c'est pas bon. Changer maintenant, oui, c'est bon. Tu vois? Et pour changer maintenant, c'est ça. C'est ça qu'on a besoin. Pour changer. Mais pas demain. Demain n'existe pas. Demain, c'est après. On se dit la même chose, oui. On projette de l'avenir, en fin de compte, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y aura rien, il n'y a rien. Ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, enfin, moi, là, ce qui me chagrine, c'est le passage, là. C'est le passé, le présent, le futur. Qu'est-ce qui te chagrine dedans? On n'est rien. Oui. Tout compte fait. Qu'est-ce qu'on fait là? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ah oui, le pourquoi je suis. Tu es rien dans le sens où tu es rien aux yeux du monde, mais ce que tu es, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Et il faut découvrir ça. Ben il faut laisser cette chose être. Mais en ce moment, ce qui est, ce qui existe, c'est la mémoire. On n'est rien. Voilà, un paquet de mémoire. C'est un paquet de mémoire. Ben ça, c'est rien. Mais on croit qu'on est quelque chose. On se positionne d'une manière à dire que moi je suis quelqu'un. Moi j'ai mis le crocodile ici et je suis quelqu'un, quoi. Et je suis là pour quelque chose. Voilà. Que j'ai décidé. Voilà. Tu dis que tu as décidé, mais en fait ce sont tes pensées, le programme de tes pensées qui te dit que ça se prononce en jeu. Voilà. Mais c'est pas toi ça. Le jeu c'est un programme. Ok? Mais au-delà de ce programme, au-delà de toute l'activité de la pensée. Quand il y a le silence de toutes ces pensées, c'est là où tu existes. Quand il y a le silence. C'est dans ce silence-là que émerge le vrai toi. Et cette chose-là, elle n'est pas tracassée. Elle n'a pas de tracasserie. Elle est là. Parce qu'elle laisse les pensées passer. Les pensées passent, ok? Et tu es l'observateur de tes pensées. Cette chose observe,
Et à la fin, quand tu observes, l'observateur n'est plus là. Il ne reste plus que ce qu'il y a. Et c'est ça la vie. Ce qu'il y a. Et... Mais là, on rentre dans un autre sujet. Parce que pour avoir cet état où les pensées ne sont plus là, ça demande que tu comprennes aussi que ce qui se passe. Ça demande que tu observes ces pensées. Ça demande que tu vois qu'est-ce qui se trame. Toute la stratégie des pensées qui se trame. Les rôles que tu joues. Et qui, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais que tu aimerais dire, oui, c'est, je ne peux pas faire autrement. Mais c'est pas vrai. Et quand tu as compris que c'est pas vrai, ben tu les abandonnes naturellement. C'est naturel, ça. Normalement, ça ne doit pas être donc une souffrance d'abandonner ça. Ouais, mais c'est une souffrance parce que tu t'accroches. Oui. Hein? Mais comme tu dis, si tu as compris que c'était quelque chose qui était inutile. Oui. C'est bon, c'est comme l'histoire du Père Noël, on disait tout à l'heure. Tu as compris que c'est pas vrai, ben l'histoire n'a plus d'importance. Oui. Tu lâches, c'est bon. Et tu n'as pas besoin de pleurer.